Au cours des grands sommets, des grands hommes d'État multiplient les rencontres, question d'évoquer soit les relations bilatérales inter-États et réaffirmer leur volonté de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre pays, soit pour échanger sur les dossiers régionaux et internationaux. Les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire se sont conformés à la règle. Cette journée du 23 septembre a été sans répit pour le président de la République qui, coup sur coup, a reçu plusieurs hautes personnalités. Alpha Condé de la Guinée-Conakry est venu assurément évoquer l'évolution de la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans son pays à son homologue. Avec l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, c'est la rencontre entre amis. Le docteur Kees Lawal, lui, est venu discuter des opportunités d'affaires avec le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Kees Lawal est président de Kamak Energy à Houston. Thomas Chanoun, conseiller spécial au département d'État, a quant à lui salué l'effort de paix engagé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, dans la crise centrafricaine. Un intérêt particulier sur les possibilités, les débouchés commerciaux qui émanent du sommet. Bien entendu, nous nous sommes entretenus sur le rôle important de la République du Congo et du président en République centrafricaine. Aussi, nous sommes entretenus sur l'effort que fait la communauté internationale pour promouvoir la paix et la stabilité en République centrafricaine.